Monsieur Jean Bricmont manque de courage et... il est plus que prudent. Et si vous voulez, vous pouvez acheter Rivarol, qui vient de paraître là, à l'instant. Et d'ailleurs, l'article, je l'ai ici. Voici, voyez, vous aurez une réponse. Moi, j'aime bien quand c'est bref. Jean Bricmont affirme sa croyance en la Shoah, mais s'oppose à la censure du révisionnisme, qu'il ose appeler négationnisme. Ah oui, excusez-moi, je me cite. Ah, bon, d'accord. Mais je suis content pour M. Bricmont, parce que je dis à la fin de mon article, au moins cet article où je le critique va lui permettre de dire « Oh mais regardez, Forisson n'est pas content du tout. C'est bon pour lui. J'ai fait ce geste. Il m'arrive d'être magnanime. » Pardon ? Ben voilà, exactement, voilà. Il devrait, mais vous savez, il a côtoyé des gens peu recommandables de mon espèce, et par conséquent, ça lui sera tenu à rigueur pour l'éternité. Ah oui, ça, faut être sûr.